Nous allons voir une première vidéo donc dans notre nouvelle formation e-learning sur EBP Gestion Commerciale Pro 2021 concernant la création de votre dossier. Donc, lorsque vous lancez la première fois EBP Gestion Commerciale Pro 2021 en ligne, eh bien donc lorsque vous accédez à votre compte, vous allez donc à vous activer ici. EBP Gestion Commerciale Pro 2021. Donc ici, eh bien, on va faire ouvrir. Nous allons arriver donc sur cet écran d'accueil et pour commencer à créer votre dossier, nous allons ici aller dans le menu ici donc horizontal et nous allons donc ici cliquer, vous voyez, sur ce bouton intitulé mes paramètres. Alors, nous verrons ensuite, eh bien, donc une vidéo vraiment sur la nouvelle ergonomie donc de EBP Gestion Commerciale 2021. Donc, je vais cliquer sur mes paramètres et ici, en fait, donc avec l'option ouvrir, donc là, il a donc bien détecté le nom du dossier que j'ai indiqué lorsque on lance l'application donc en ligne. Et eh bien, effectivement, il demande au moins le nom du dossier. Donc, dès que je vais cliquer sur le nom du dossier, il va me proposer, vous voyez, un assistant de création. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Ici, donc, il faut renseigner toutes les informations administratives. Donc là, déjà, eh bien, je vais changer le nom du dossier. Donc là, vous mettez vraiment la raison sociale. Donc là, par exemple, je vais mettre SARL Mercier, par exemple. Donc ici, c'est vraiment des informations d'ordre administratif. Alors, je vais mettre moi le minimum, hein, donc c'est vraiment très important, vraiment donc de bien le compléter puisque toutes ces informations vont apparaître sur vos documents. Donc ici, je vais en mettre par exemple, voilà. Ensuite, je continue, je fais suivant. Donc là, toujours pareil, hein, il faut vraiment indiquer toutes ces informations, hein, puisque sur vos documents de vente, c'est vraiment très important. Ici, vous allez indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire. Et ici, déjà, c'est vraiment très important en fonction de votre activité. Si vous êtes une société de négoce, vous allez laisser au débit. Si vous êtes donc une société de prestation de services, vous allez indiquer les encaissements. Et ça arrive, hein, donc dans beaucoup de cas, eh bien, si vous avez à la fois une activité de négoce et d'encaissement, eh bien, vous prendrez mixte, hein, puisque pour la TVA, eh bien, effectivement, en fonction, je dirais, des produits et que vous allez vendre. Donc, quand vous vendrez des produits de la marchandise, si vous êtes en mixte, il sera offert la TVA sur les débits. Et si après vous faites de la formation, de l'installation, eh bien, il sera donc bien choisir, eh bien, la TVA sur les encaissements. Alors, nous, là, comme nous commençons, on va prendre les débits, mais on verra, eh bien, tous les cas de figure. Ici, il faut absolument que vous indiquiez donc votre numéro SIRET et votre code APE. Ensuite, il faut absolument laisser un port des données, puisque là, c'est par rapport aux codes postaux. Il sera capable, dès que vous allez saisir le code postal donc d'une ville, eh bien, de vous mettre à la fois la ville et le département. Alors moi, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, je vais le décocher. Je fais suivant. Ici, ce sont toutes les fonctionnalités disponibles. Alors, on peut l'activer et le désactiver à tout moment. Alors, moi, ce que je vous conseille, hein, au début, eh bien, donc, effectivement, si vous n'êtes pas, par exemple, une service à la personne, on va le décocher. Et on va aussi décocher, dans un premier temps, gestion de l'analytique et gestion, du planning. Parce que l'objectif, c'est de bien rentrer dans le produit. Donc, quand vous allez bien maîtriser, on va dire, les fonctionnalités de base, eh bien, après, on va voir, tout au long de la formation, eh bien, donc, un chapitre vraiment destiné à l'analytique et tout ce qui concernera la gestion de planning. Alors, je vais même décocher, vous voyez, tout ce qui va concerner l'ADEB, hein, puisque dans un premier temps, eh bien, il vaut mieux maîtriser l'essentiel du produit et après, on rajoute des paliers supplémentaires. Je continue, suivant. Et je fais lancer. Il a terminé ici donc la création de mon dossier. Donc là, je n'ai plus qu'à faire fermer. Donc lorsque, eh bien effectivement, vous lancerez systématiquement après donc votre dossier, vous allez arriver sur ce tableau de bord. Donc là, maintenant, nous allons voir, eh bien, une vidéo sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation.